Et le départ sera bon. Départ lancé pour le Rebel Chaos et Steve Armstrong. Corridor intérieur, Donald Leduc. La tour. Le hydroïde. Le blanc. On est à la chasse. Et celui qui sort le premier du virage chez Donald Leduc. Le cannonball. Devant Armstrong. Ça, c'est un... deux rivaux. Et ensuite, on a les Yancy et la tour. Les Yancy très, très rapides ce week-end alors que la pluie est de retour ici. Et à l'arrière, on a l'Hydroïde et le Vegas qui ont un peu plus de difficultés dans cette épreuve. Donc, après un tour, le meneur, ce sera Donald Leduc pourchassé par Armstrong, mais il faudra surveiller Yann Beaupré dans la ligne intérieure et Jean-François Latour qui ne s'en laissera pas imposer, lui qui, évidemment, au terme de la première journée, était huitième avec 29 points. Il faudra voir où il mènera cette épreuve. Alors qu'à l'arrière, on a vraiment une course entre Beaupré et Armstrong, le Duc, lui, qui passe devant le quai fédéral avec une certaine priorité sur ses opposés. On voit l'accélération dans l'Yancy. Yann Beaupré. Et le Duc est en perte de vitesse. Et Beaupré qui s'approche. Là, on est très serré, là, les trois embarcations dans le virage numéro 2. Le Duc qui désormais se fait rattraper là, largue du terrain Armstrong et Beaupré. Latour, quatrième devant Leblanc et Couturier. Et là, Armstrong qui maintient toujours sa deuxième position devant le Yancy. Yancy vainqueur hier, vraiment une belle performance qu'il a à faire. Alors qu'on entre dans le virage numéro 2, on colle les bouées pour le Yancy. Est-ce que ça lui permettra de distancer Armstrong du Total Chaos? Tandis que le Duc semble avoir regagné du terrain et toujours le meneur de cette épreuve. Dans le F48, le Cannonball. Deux tours à faire encore. On aura deux excellents tours alors que Latour, lui, est quatrième et on a une lutte entre Leblanc et Couturier à l'arrière. Toujours meneur, le Cannonball, ça c'est le fils de Jules Lebeuf. Lui, il venait au Régate de Saint-Félicien, les premières éditions entre 1963 et 81. Et il est présent ce week-end, Jules de Foot Lebeuf. On amorce le virage numéro 2. Yann Beaupré qui tente toujours par tous les moyens de devancer Steve Armstrong du Total Chaos. Et on s'élance vers la ligne de départ arrivée. On est légèrement déporté, très serré. Et le Duc. Un tour à faire. Armstrong. Environ une queue d'eau derrière. On retrouve Beaupré. L'FBL spécial est quatrième. Et là, on est pratiquement côte à côte dans le virage numéro 1. On se lâche pas, on se fait pas de cadeaux. Le Duc, lui, est devant. Doit demeurer vigilant puisque ses opposants, ils vont à fond de train. Le Duc, moins d'un demi-parcours devant le quai fédéral, devant la maison de la culture. On entreprend le dernier virage. Le Yancy va d'une dernière poussée vers Armstrong. Et là, le dernier droit, accélération. À fond les gaz pour le Duc dans le Cannonball. Qui est le vainqueur, le F48. Derrière, on retrouve Armstrong, le Total Chaos F11. Et dans le F36, le Yancy, c'est Yann Beaupré. Jean-François Latour, quatrième, lui. On sait, il était huitième au classement après la journée d'hier. Donc, est-ce que son accumulation de 15 points saura lui permettre d'accéder à la finale directement, ce sera calculé
On trouve ensuite Rémi Leblanc dans le Vegas et Frédéric Couturier dans le F313 d'Hydroïde. Pour Leblanc, c'est une première épreuve complétée ce week-end ici à Saint-Félicien. Serge, à toi le micro. Yes, sir.